Coucou tout le monde, bon week-end et aujourd'hui on est reparti donc sur un petit live ou même à plusieurs lives sur Echo. Donc j'ai bien vu que le jeu vous a plu, il me plaît également. Donc on va faire plusieurs épisodes, donc au moins aujourd'hui et demain. Je pense que lundi je ne vais pas en faire pour vous donner rapidement le programme, mais je vais continuer à en faire mardi et mercredi. Donc tous les jours à 15h, la plupart de la France, en tout cas les jeunes sont en vacances. Je ne sais pas encore à quelle heure on va finir, probablement 17-18h, peut-être un peu plus tard si tout se passe bien, je ne sais pas encore. Donc avant de démarrer, j'aimerais remercier Teco et Bastou qui nous ont mis en place un serveur en catastrophe parce qu'on a vraiment eu du mal à le lancer. On a fait un serveur juste pour le live sur une machine de bête, de monstre, de bête. Mais on a eu des problèmes pour le démarrer et Teco, Bastou ont travaillé tard hier soir, tôt ce matin et encore jusqu'à il y a quelques minutes pour s'assurer que tout fonctionne super. Je vois que l'équipe n'a pas attendu que je rejoigne pour aller sur le serveur, les vilains. Ils sont déjà 8 sur le serveur, donc je vais aller les rejoindre. Ouh, ça commence bien ça. Ça commence bien. On retente. Ouh là, ça me fait peur là dès le début. Ok, non, là on est bon. Alors, je vois que vous êtes très actifs sur le chat, je vais essayer de vous répondre les gars autant que possible. Déjà je vais faire mon gars. La peau va te faire, allez, un petit peu bronzé, je suis naturellement un tout petit peu bronzé. Les habits ça me convient, juste la ceinture qui me va pas trop, on va la faire orange, la couleur de la chaîne. Ouais, on va virer le froc marron caca. Allez, hop, voilà. Comme ça, on va me voir dans la forêt. Juste le haut qui va être camouflé, le bas, on va me voir. Ok, il n'y a pas de nom à mettre, hein, je me rappelle. Oh, on peut changer le type de cœur. Non, c'est les couleurs, ok. Du coup, on est parti. Alors, oh purée. Qu'est-ce que vous faites? Ah là là, les gars. Alors, celui qui doit avoir le plus peur, c'est Swooking qui est tout en haut. Dis donc. Alors, je vais, hop, virer au début. Regardez-moi ces champions. Qui est en bas? C'est Maxassa qui en bas, regardez, il a perdu ses cheveux à cause de ça. c'est pas mal, voici l'équipe, voici les gars qui vont me rejoindre sur le serveur. Donc regardons la map. On a fait une map qui est 3 fois plus grande que les maps que l'on voit habituellement sur les serveurs. Là on est sur le... Oh purée, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'îles. Il y a de quoi faire. Elle fait 120 sur 120, ce qui fait 1,44 km², contrairement aux 0,52 km² des autres maps. Par contre, il y a beaucoup d'arbres, donc ça c'est cool. Alors par contre, il y a des zones assez vides. Est-ce que je peux te refermer? Ouais, on va se remettre. On est parti les gars. Je vais écrire. En avant. On va chercher un endroit où se poser. Ouais, la pyramide était belle. Ouh, merci à Lemulo89 qui a souscrit sur Twitch, merci à toi. On va regarder, est-ce qu'on voit la météorite déjà? Est-ce qu'on voit la météorite? Ouh, c'est quoi ça? Je pensais que c'était un projectile. C'était un oiseau, il y avait des oiseaux, mais il y avait des oiseaux avant. Je vois pas la météorite, bon, on va passer les quêtes. Ouais, on va passer tous les tutos. Comme ça, on obtient tout en sac et on est parti. regardez, alors oui, voilà, on a 12 jours pour la météorite, donc théoriquement on devrait finir en 10 jours, mais je nous ai donné 12 jours pour boucler la map. Si en 12 jours on n'a pas terminé, la météorite s'écrase sur nous. Pour le moment, ils veulent qu'on s'installe dans un désert. Pourquoi vous voulez un désert? Et pourquoi vous me suivez tous, les gars? Arrêtez de me suivre. Ouh, et Imperial Game 444 K-Sub également, dis donc. Pour éviter d'abîmer les arbres. Alors, 200... Ouais, mais moi, je sais pas trop où c'est purée. 200... Vous m'avez dit combien? 200, 800? Oula, ça me convient pas trop, là. 200... 800... C'est là-haut que vous voulez qu'on aille? Vous avez vu la distance, les gars? On est ici! Bon, allez-y, je vous suis. Allez, on est parti. Je vois que les gars font... Les gars font la chaîne. Ok, en avant. Ouh!
Petite découverte. On va devoir traverser par la rivière, je vois. Ah bah tiens, je vais choper les champis. Ou je vais peut-être déplacer... je vais déplacer la petite... Je pense que c'est embêtant. On va te mettre sur le côté un peu. Voilà. Donc, en avant vers le désert. Alors, j'ai beaucoup de subs. Alors, c'est quoi? C'est des subs YouTube, toutes ces annonces-là? Parce que si c'est des subs YouTube, faut que je retire, parce que là, il va en avoir beaucoup pendant live. Donc, merci à ceux qui disent qu'ils aiment bien mes vidéos, c'est très gentil. Ouais, je pense que ça, c'est des subs YouTube. Je vais les virer une fois qu'on est... Ne vous inquiétez pas, je vais les virer une fois qu'on sera sur le désert. Donc, maintenant, faut aller là-haut, c'est ça? Donc si vous voulez sub et apparaître sur le live, c'est le moment. Après, c'est trop tard. alors, on va prendre un peu de nourriture sur le chemin. Je vais en laisser aux autres. Ouais, il y aura toujours une rediff, les gars. Et je crois qu'on arrive au désert. Purée, ça nous en a fait faire du chemin. Une journée complète, pratiquement. Et plus qu'une rivière à traverser, on est à la base. Par contre, j'en ai semé quelques-uns. Il y en a qui me guidaient, mais je vous ai semé, les gars. Alors, j'ai augmenté la luminosité du jeu. Vous me direz ce que ça donnera sur YouTube quand il fait nuit. Vu que là, on est en live, je pourrais pas les passer les nuits. Une journée dans le jeu dure combien de temps? Demande Tomco. Pour être franc, j'en sais pas. Pas grand chose, je crois que ça doit durer quelques dizaines de minutes. Je sais pas, il faudrait voir. Alors voilà, maintenant qu'on est sur place, désolé, je vais sur là-haut et je vais devoir retirer les subs. Comment retirer les alertes? Excusez-moi. Voilà. Je crois que ça devrait plus faire les alertes pour les subs sur YouTube. Ok. Bon, bah, c'est ici qu'on va s'installer. Donc, bah, je vais me chercher. Bah, je vais m'installer là, tout simplement. Vous voyez, à côté des cailloux. Ah, je vais me mettre là. Voilà, je vais être maçon. Donc, je veux des cailloux. Donc, je vais me poser ici. Donc, je vais faire ma grotte. Ok. Alors, bah, on est parti. Je vais utiliser, alors pour minimiser l'utilisation du bois, franchement les gars je suis pas vraiment content hein, de la place que vous avez choisi. Ouais, je suis pas content mais c'est pas grave, vous avez choisi là, on y va. Donc là je vais faire les murs de ma maison, je vais les faire en terre pour économiser le bois. Même pas, je vais boucher là. Hop. Donc je me fais des murs et on va... Alors on va... Après je vais quand même faire le toit peut-être en... Je vais pas pouvoir faire le toit en terre, donc je vais devoir le faire en bois. Mais ça me fait force à me déplacer assez loin là les gars là. Hein. ok. Alors ah oui, il faut que je mange. Combien de temps durera le live? Je ne sais pas. On va voir. Regardez puis vous verrez la fin. Il consiste en quoi le métier de maçon? Le métier de maçon, ben, c'est faire des choses avec des cailloux. Hein. Ça va principalement être, je pense, des murs en bois, des briques, ce genre de choses. Alors, ok, hop. Donc là, ce que je me fais, c'est que je me fais mes murs pour les débuts de ma maison. Est-ce que je compte reprendre les lives? Ben, je les ai repris, là. Comme tu peux le voir, je suis en live. Le serveur là est uniquement sur invitation. Alors oui, je vous rappelle qu'on a 4 serveurs de communauté.
Si jamais vous êtes quelqu'un qui joue bien, donc c'est-à-dire que vous respectez les lois du serveur, que vous êtes gentil avec les gens, enfin que vous êtes bon joueur tout simplement, eh bien vous allez probablement, éventuellement, recevoir une invitation pour ce serveur pendant que le live est en cours. Hein. Donc faut être bon joueur, pas de garantie, mais on cherche les bons joueurs et on les invite là. Là c'est du coup un serveur VIP entre guillemets pour qu'on ait une bonne partie. Ok, alors hop. Donc là, du coup, j'ai trois chats à regarder. J'ai le chat du jeu. Ah, il faut que je mange. J'ai le chat du jeu. Et j'ai le chat de YouTube. Et j'ai le chat de Twitch. Alors, purée, ça va être compliqué pour moi. Là. Faut que tu claimes la zone. Je sais, les gars. Mais je suis pas pressé de le faire. Parce que je suis avec des gens que je connais pour principalement. Donc, je sais qu'ils vont pas me piquer ma zone. Donc, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Puis après tout, je suis Dieu ici, donc dans le serveur-là, donc j'ai pas de problème. Dès que... Non, j'ai pas de complexe de grandeur ou autre. Bon, ça va bientôt être fini, on va préparer ça. J'entends déjà... Vous entendez peut-être au loin les gens qui pètent les arbres. Alors, je vais quand même trier un peu ce que l'on voit. Déjà, toi, on va te cacher un peu. Toi, on va t'agrandir. Pour vous voyez mieux. On va virer les welcome, les skills, les propriétés, les loggings et le craft. Juste le texte, voilà. Les cactus donnent du bois et sont des arbres déjà morts. Ok, d'accord, bah tiens, voyez. Il vient d'apprendre un truc. La luminosité avec la nuit est bonne. Merci de la confirmation. Ah bah tiens, regardez qui c'est qui est au-dessus de chez moi, là. Bon. Alors, on va tester les cactus. Ah, à quand les lois avec le citizenship, on peut pas. Bah, je vais le virer. Je vais virer la loi, effectivement. Alors, si vous ne savez pas, il y a une loi dans le jeu qui fait bugger le reste. Alors, c'est... je crois que c'est ça, la commande. J'espère que je vais pas crash le serveur. Ouais, c'est bon. Voilà. Petit cactus, ok. Hop. 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 Et on a un petit morceau là. Ok, non, j'ai les mains pleines. Je vais reprendre la petite tranche qui me reste. Ah ok, non, ça c'est le... Ok, non, ça c'est pas un morceau. Je pensais que c'était une petite tranche, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai coupé une tranche de cactus si fine? En fait, non, c'est le... la racine. Ok. Alors, les autres, bah regardons ce que les autres, ok, ils ont pas encore commencé à faire leur terrain. Pas grave. Je vais mettre le mien. Hello Dan, hello à tous. Excuse-moi de t'interrompre deux secondes pendant que tu mets le nom de ton terrain. Est-ce ouais. Que tu pourrais changer le titre du live, s'il te plaît. Changer le titre du live. Ah, oui, là. J'ai oublié de le mettre à jour. Ah oui. Parce que les soucis techniques sont terminés. Alléluia. Je regarde. Alors. Ah oui. Ah oui. 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 Bon, le titre va être un peu à l'arrache. Live tous les jours. Voilà, alors c'est rentré. Tu me confirmeras que c'est sauvegardé, Xav? Ouais, ça marche, impeccable. Ok, alors on est reparti. À tout. Alors je vais te placer là. Ok. Allez, pose-toi, voilà. Il me reste combien? Il m'en reste. Ah, on me dit qu'il y a une nouveauté dans la pêche. Ok. Ah,
Ah là, il me reste un plot que je vais poser plus tard. Donc on va te remettre là-bas, dans le sac, avec le reste. Et d'ailleurs, alors faut que je remette les pages de chat qui sont toutes parties du coup. Voilà. Ouh, alors les gars, ne me demandez pas comment ça va en live, vous êtes 800, 900, je peux pas vous dire faire ce genre de commentaires personnels, désolé. Alors, bon du coup, maintenant que ça s'est... Bah... Ah oui, j'ai encore du bois en main. Voilà, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mince, ça y est, il commence à ramer, le serveur est tout neuf. Du coup, alors, maintenant que ça s'est fait... Hop, c'est mis, et maintenant, alors, je vais virer le haut... Voilà, et maintenant, ouh, regardez, un petit feu communautaire. Est-ce que vous arrivez à lire le chat qui est là? Les gens voulaient que je le mette plus grand. On me dit que la luminosité de nuit est bonne. Alors sinon, sinon, je peux encore l'augmenter. Ouais, je suis à peu près à la moitié. Ouh, je suis à 198% de luminosité. Il faudra peut-être que je la baisse, mais sinon, je pourrais l'augmenter encore. Ouais. Ouh, regardez l'astéroïde. Ouais, je suis bien terré. Je suis un renard, hein. Donc, ma maison, elle est en terre et elle est en sous-sol, les gars. On arrive à lire. Ok. Du coup, bah alors maintenant, je vais poser mon atelier. On va le mettre... Bah, l'atelier n'a pas besoin vraiment d'être dedans, donc on va le mettre là. Ouh, merci à Molecule pour le sub. Et du coup, alors je vais avoir besoin de ça. Ok, donc on va en faire une trentaine. Go. On va mettre ça dedans. Voilà, et on va chercher encore du cactus. Ouh, on a des fruits sur ça. Ok, on me dit faire plus grand le chat, ok. Ah bah finalement, ah ok, non. Finalement, vous voyez, je pensais que ça augmenterait la taille des lettres, mais non, ça augmente pas la taille des lettres, désolé les gars. Alors, une bonne chose à faire quand vous pétez un arbre, pétez ce qu'il reste. On peut pas faire un tour en terre, les gars. Je vais vous montrer pourquoi on peut pas le faire. Je vois que vous aimerez bien, mais effectivement, regardez, si je fais ça, et que je le pose là-haut, il tombe en bas. Vous voyez, on peut pas faire tour en terre. Alors, du coup, je vais maintenant regarder. Alors, ça arrive. J'aimerais également avoir un coffre. Est-ce que je peux me faire le coffre? Le coffre, il me faut Basic Crafting 1. Ben ça, je vais le prendre. C'est celui-là, le Basic Crafting? Ouais, c'est celui-là. Ok, ben je vais le prendre. Un point. Ok, c'est bien celui-là. Le level 2 débloque une pelle en bois... Bah, je l'ai déjà, la pelle en bois. Le level 3 me débloque rien de bon. Le level 4 pourrait être intéressant, mais je vais probablement acheter chez les gens. Ah, bah c'est le soleil se lève. Le soleil se lève. Bon, alors. On va lancer le coffre. Alors, vous me direz, hein, pour la luminosité... Oh, purée, il n'y a plus rien, déjà, là. Ok, on va monter en haut, je vois du cactus. Je vais me spécialiser en quoi? Je vais me spécialiser en maçon, les gars. Donc, je vais probablement faire les murs des gens. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre dans le serveur qui veut être maçon, donc je vais avoir de la concurrence. On verra qui fera les meilleures briques.
Tu mérites les 1 million. Bah c'est gentil, j'espère les atteindre un jour. Oula. Oula, ok, je me suis fait cogner par un cactus. Sinon, tu fais un toit en bois et de la terre dessus. Pourquoi pas, je préfère pousser des choses. Ok, je suis là. Je suis là. Alors, on en est à où? Encore, purée, il y en a encore un pack à faire. Alors, je vais peut-être demander de faire le coffre avant. Et il me faut encore du cactus. Ah bah, tiens, là, il y en a un. Les cactus sont des arbres morts, donc je peux les couper sans trop regretter. Pourquoi faut nettoyer les racines? Alors, il n'y a pas vraiment de raison, là, c'est petit quand c'est un cactus, mais quand vous avez des troncs d'arbres, vous avez des grosses racines qui vont prendre plusieurs cases, et donc c'est moche. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? C'est moche et c'est pas... Ah, il faut péter ça. C'est moche et c'est pas agréable à regarder. Ah, j'ai pu. Ah, j'ai pu. Il faut de la nourriture. Il faut de la nourriture. Il va falloir que je commence à chercher de la nourriture, là. Ok, j'ai pas besoin de plus, donc on va te poser là. Raté toi? Tu viens d'où toi? Il était là, je l'avais raté, c'est pas possible. Je coupe des cactus, écrit avec une orthographe moins connue, mais ouais, effectivement, je coupe des cactus. Bon, alors là, je vais chercher à manger. Parce que, alors, on va regarder la map. Oh purée, oui, il y a de la grosse forêt, je vois qu'il y a des gars qui partent là-bas. Alors, moi, je suis où? Je suis là, donc on va aller à l'ouest, en gros, ok. À l'ouest, chercher à manger. Ah tiens, t'es quoi dans la zone? Personne ne me voit, il demande. Le pauvre. Ah, la fleur de cactus? Non, pas encore au mur. Ah, si, mur. Ok, ben je vais en manger. Et je vais aller chercher des champignons. Oh, j'ai du bois sur moi. Après, j'ai du bois. Bah, tiens, je te donne du... Ah, je peux pas te donner du bois, pas grave. On va dans la forêt et on va chercher... Bah, tiens, là, il y a des tomates. J'ai besoin de manger un peu parce que là, je suis un peu juste côté ration. Alors, je vais pas tout prendre à côté parce qu'il faut que ça repousse. Mais je voudrais... Alors, c'est quoi ça? C'est des haricots, ça, non? Non. Ah, excusez-moi, là, je vais pas regarder le chat parce que... Parce que je suis en train de regarder par terre pour les... La bouffe. Ou un petit loup. Alors, je sais pas si on a des chasseurs pour le moment. En tout cas, on n'a pas encore d'économie en place. Ah, bah tiens, je vais prendre un peu de tout, comme ça. Allez, ça, c'est génial à voir. Vous mettez quelques petits champs de baies et vous êtes tranquille parce qu'elles elles ne disparaissent pas quand vous les ramassez. Oui, le stockage va venir, les gars. Pour le moment, je pour le moment, je fais les choses dans leur ordre. Mais vous inquiétez pas, on va en faire. Alors, pourquoi j'ai pas l'indication de ma zone sur... J'ai pas l'indication de ma zone. Ça y est, je suis perdu. C'est là-bas chez moi, c'est là-bas. Pourquoi j'ai pas le... Normalement, j'ai un petit onglet qui pointe vers toi. Bah, je vais poser un drop point ici. Voilà. Il est posé là. Est-ce que je peux te renommer? Base. Ok. Voilà, comme ça, base du Dan, ok. Bon. Maintenant, est-ce que vous avez fini? Ouais, le coffre est fait. On va le ramasser et on va le mettre dans la base.
Pour le moment... Ah, purée, je vois... C'est moi ou ça a changé, là? Avant, on voyait le... Comme ça? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais stocker? On va mettre les graines, on va mettre le poteau, on reviendra plus tard. Graines également. Ok. Dan, il faut que tu manges. Pour le moment, je suis plus ou moins ok. Alors justement, ceux qui savent pas, il faut une nourriture équilibrée pour gagner un maximum de skill points. Du coup, là vous avez fini. Ok, ils ont fini. Alors maintenant, ce que je veux, c'est la zone de stockage. Wow! Ça passe quoi là? Oh, je me suis fait kick! T'es con, t'as fait un truc sur le serveur ou quoi? Oh non! Non! J'ai aucune idée de s'il y a une version écho en 32 bits, les gars. Alors, bah tiens. Je vais envoyer un message à Teko. Donc Teko redémarre le serveur, pas d'inquiétude, c'est bizarre qu'il les crache. Si on laisse la racine, non, ça ne repousse pas les arbres. Les cactus sont considérés des arbres morts, donc ils ne poussent pas. Ok, on est reparti. Le serveur surpuissant a pas tenu longtemps. Alors, c'est pas une question de puissance, c'est plus une question de... de jeu qui est pas stable. Le jeu a beaucoup de problèmes, les développeurs sont en train de faire des patchs. Apparemment, ça va s'améliorer, mais bah, on aura toujours ces problèmes. Hein. Alors. Ok. Au moins, on n'est pas revenu trop en arrière, c'est principal. Et du coup, je voulais faire ça, voilà. Stockpile, il me faut 5 de bois, pas de problème. 4, 5. Ok, on est reparti. Et du coup, je vais avoir besoin de plus de bois. Ah, alors Zergling, si t'as perdu tes claims, on peut t'en donner, je pense. Ou alors, il faut refaire un autre personnage. Je sais pas comment ça va fonctionner. Du coup, ok, presque terminé. On va te poser là. Voilà, bon. On va être pas mal, je crois que j'ai fini le stockage. Ouais, ça a dû aller là-bas. Ah oui, bah tiens, j'ai récupéré mes graines. Ah, j'ai récupéré un coffre. J'ai récupéré un coffre, j'ai doublé le coffre. Ok, bah j'ai gagné un coffre gratuit. On va te poser là, comme ça. Voilà, et on va mettre... Alors, il va falloir que je nettoie un petit peu pour me faire de la place. Je vais te poser là, donc je vais devoir creuser. Alors, on va sortir la pelle. Et on va boucher les trous. Ah, je vais à la vitesse que je vais pour faire la maison, les gars. On se presse pas. Chaque chose en son temps. Voilà. Ah, le petit écho là-bas. Je ne jouerai probablement pas à Trove. Non, désolé, c'est pas dans mes plans.
Alors pour le moment, je peux prendre la terre que un par un, mais quand j'aurai ma brouette, ça va changer. Alors effectivement, comme Xav dit, tous les 10 euros de tip pour vous remercier, on balance une loterie. Avec une clé de jeu au choix parmi les sales disponibles sur le site à gagner. Alors voilà. Du coup, ça c'est bon et on va poser... Alors je vais te virer toi. Et on va te poser... Ici. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ok, et on va poser à côté. Je vais faire une rentrée ici. Une porte. Comment je vais m'y prendre? Je sais pas comment m'y prendre pour faire quelque chose de propre. En tout cas, on va mettre là. Alors, on va mettre ici, en tout cas, l'atelier. Donc désolé, les débuts sont toujours un petit peu longs, je sais que vous êtes impatients, mais les débuts, faut travailler, hein, c'est comme ça. Oups. Et merci à Gwell44BZ pour avoir souscrit. Ah, je regarde le chat, je me prends la réserve. Ouais, je vais me faire une réserve de... Purée, mais il se passe quoi, là? Il me faut une réserve de pierre. Oula, alors... Ah, ok, non, ça va, j'ai rien perdu. Il me faut une réserve de pierre, effectivement. Bah, je pense que, ouais, les gars, on va avoir des mini-crashs. C'est comme ça. Ah oui, pas bête. Oui, c'est vrai, je peux mettre... Non, oui, mais la terre, le problème avec la terre, c'est que moi, j'en veux pas dans mon stockage, la terre. J'en veux pas dans mon stockage, la terre, c'est ça le problème. voilà. Bon. Ça, on va te mettre dedans. On va prendre toi. Voilà, là on va accélérer la maison là. Voilà, je ferai une pièce plus grande tout à l'heure. Maintenant, on va lancer. Bah tiens, on va faire. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre toi et on va commencer à faire le toit. On va te mettre... On va faire une grande pièce. Haute. Ah bah j'en ai déjà plus. On y retourne. Non, on peut pas faire un toit en terre. La terre tombe sur le sol. Elle répond à la gravité. Bon, pas grave. Du coup, je vais en avoir besoin de plus. Le stockage est parallèle ici. Voilà. Ça, c'est nouveau. Avant, j'avais pas besoin de faire le lien dans mes parties précédentes.
Allez, pose-le. Pas. On va quand même mettre, ouais, on va quand même mettre ça. Et je vais chercher plus de bois. J'ai plus le claim. Si, je l'ai, il est toujours là. Il m'a fait peur là. Non, je me suis pas encore spécialisé, les gars. Alors, j'ai faim, on va manger une tomate, on va manger un petit peu de haricots, ça me fait gagner des points de compétence, parfait. Hop. Je vais faire maçon dans le jeu là. C'est pour ça que je me suis mis à côté de la roche. Voilà, maintenant on va finir la porte, le devant. Qu'est-ce qu'il fait chez moi, Teko? où est-ce que je vais creuser? Bah, je vais creuser là. Et on va fermer là. Ah, la nuit arrive. Et on ferme à ce niveau-là. Donc on va faire sombre hein, dans ma base au début. Si seulement j'avais une brouette, ça serait tellement plus facile. La brouette, je pense pas que... Alors on va regarder le magasin. Est-ce qu'il y a des gens qui vendent des choses? Non, il n'y a personne qui vend des trucs pour le moment. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres serveurs que celui-ci qui sont ouverts? Oui, il y a 4 serveurs pour la communauté. Si vous voulez jouer avec nous. Par contre, ils sont pas plus montrés en vidéo, ceux-ci. Hop. Ok. Ouais, ça met du temps, hein. Ça, ça va être ma grotte. Allez, pousse-toi. Hop, voilà. Côté bois. On en a 11. On va fermer quand même. Et voilà, le reste, ça va être du mur. Du coup, toi, je te remets dedans. Qu'est-ce que je peux faire actuellement qui pourrait m'être intéressant? Toi, t'es bon, je t'ai... Alors, une pioche, on l'a. Alors, oui, le truc pour réparer. Pour réparer mes outils. Ah, elle, je peux la faire. Il me manque 20 de bois. Ça, je vais en avoir besoin. Donc, on va aller chercher du bois... pour pouvoir réparer. Parce que si mes outils sont cassés, ils vont utiliser vraiment beaucoup plus de... comment ça s'appelle d'énergie pour fonctionner. Alors, ah, là-bas, il y a un arbre. On va couper un arbre. Mon premier arbre de la partie.
Il y a quelqu'un qui a commencé à couper, mais qui a pas fini. Bon, je vais pas lui piquer son arbre. Je vais chercher un arbre vraiment mûr. Est-ce qu'il y en a un? Non, il y en a pas dans le coin. Ah là. Non? Ok. On va péter celui-là. Mais avant, je veux récupérer les feuilles pour les graines. Je peux pas choper les autres, pas grave. Allez, hop, on est parti. La map est grande, ouais, la map est très grande. La map, est, on l'a modifiée, là on utilise le patch staging du jeu, qui est en gros, on va dire un patch test, qui a rajouté pas mal d'optimisations côté serveur. Donc là on a une map qui fait 1,5 km², contrairement aux maps que vous avez sur les autres serveurs qui font, hein, s'ils n'ont pas fait la modif, 0,52. Donc elle est 3 fois plus grande qu'une map standard, donc c'est-à-dire qu'on a plus de ressources et tout ça. Et le but est effectivement de détruire un astéroïde qui est pas dans le coin. Alors. Donc on le pète. Ah, voici l'astéroïde. 11 jours, 23 heures, 12 minutes restantes. Tu ferais mieux de mettre de la nourriture crue dans le coffre pour que de la cuite se fasse dans le campfire. Ici? Ah bah j'ai pas de nourriture, j'ai juste... Alors je pense pas qu'on puisse faire les baies. Les baies on peut pas les faire. Les baies je crois pas qu'on peut les faire. Je vérifie. Non, les baies ne donnent rien. Les baies... Ah, ici, ouais mais voilà c'est tellement compliqué qu'on va pas le faire. Non, les baies ne font rien. Bah, pour le reste, ouais, quand je vais choper de la nourriture, je vais le mettre là-bas. Là, je vais devoir manger. Et du coup, alors, reprends la pelle. Ah, ouais, ma pelle, elle est presque cassée, purée. Je dois me faire des fenêtres dedans. Ah zut, zut, regardez. Ah, il est pas tombé. Si, si, je sais pas. Ah oui, ok, voilà. Bizarre. Oups. La maison est presque terminée, je vais pouvoir fermer. Après, je vais faire des trous dans les murs parce qu'il va me falloir faire des fenêtres, des portes. Toi, t'as fini. Ah oui, alors là, purée. Ah oui. 8 secondes encore. Ah, il me manque du bois encore. Zut. Du bois ou de la roche, il me manque. 4 de roche il me manque. Bon bah ça tombe bien. On a ce qu'il nous faut là. Ils sont restés coincés là-haut. Voilà. Et maintenant, j'ai la station de réparation. La voici, on va la poser. J'espère qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit à l'intérieur, je ne me rappelle plus. Bon, elle est à l'envers. Je vais te mettre là. Il faut 5 de bois.
J'ai pas le bois. J'ai pas le bois. J'en ai 3 de bois. Zut. Bah tiens, on va péter lui. Si je regarde le chat, mais je réponds pas à tout le monde ni à tout. Mais je regarde le chat, mais je peux pas tout faire. Alors. Ah, je vais pas te choper là-bas, pas grave. Et on va réparer. J'ai 3 chats à regarder, hein, je vous rappelle. J'ai le chat YouTube, j'ai le chat Twitch et j'ai le chat du jeu. Pas assez de logs? Comment ça, il y en a pas assez? Ah oui, j'ai pas fait le lien. Ah oui, il faut refaire le lien à chaque machine maintenant. Oh purée. Ok. Bon, ah oui, je récupère ma pelle. Génial. Et on va chercher le dernier morceau de bois qui est là-bas. Ah, ok. Non, je ne vais pas regarder comment les autres serveurs sont avancés. Là, c'est le serveur là, le live. C'est pas un autre serveur. Si vous voulez voir l'avancement des serveurs, vous pouvez aller dessus, hein. Les serveurs sont ouverts. Effectivement, et les modérateurs ont 3 chats à modérer. Des couches. Bon. On continue. Ok, la porte va être là. Purée, comment c'est plus rapide de faire une maison en bois. La différence est incroyable, c'est juste pas possible. Je pense que je vais pas agrandir la maison véritablement avant d'avoir la brouette, parce que là, c'est vraiment long. Bon allez, on va creuser le mur là. Ça fait bugger c'est quand je suis dessus. Hein? Pourquoi t'as du bois là? Et je vais regarder mes spécialisations également. Ça passe pas. On va le faire par en haut. Ouais, ça va être plus rapide là. Et 2 nuits pour une maison, quand même, quand on compare à la réalité. Oui, quand on compare à la réalité, c'est pas mal. Tu peux mourir dans le jeu. On ne peut pas mourir, sauf si, je pense, la météorite s'écrase sur la planète. Il n'y a pas de danger, en tout cas. Ah, plus de nourriture. Zut, faut aller chercher de la nourriture. Bon, on est reparti dans la forêt, là-bas. Et on va revenir avec du bois. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici? Regardons. Donc là, c'est Farmer qui fait sa petite maison, ok. Alors, est-ce qu'on n'a pas des baies? Alors, je vais juste manger une tomate.
pour accélérer. Alors ça, on peut le manger, mais j'ai pas ce qu'il me faut. Alors oui. Ah, j'ai pas des champignons quelque part. Ah, voilà. Ça, j'en veux. On ramasse des haricots. Bon, on retourne. Oui, je ne réponds jamais aux commentaires, comme tu dis, Maddé. Alors, du coup, bah, je vais mettre la nourriture dans le coffre et on va voir ce que je vais pouvoir avoir en échange. On peut pas mourir de faim. Si vous avez faim, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez, enfin, vous pouvez plus activer de choses et vous ne gagnez plus de points de compétence. Donc, on va mettre les tomates. J'en mets. Ah, je les ai mis. Elles vont être craft automatiquement. Bah, du coup, je vais prendre des tomates en échange pour ce que j'ai posé. On va mettre des haricots. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir en échange de mes haricots? Ok, on va prendre ça. Ouh, purée, effectivement, ça vaut le coup, là. On peut pas mourir de faim, non. On ne peut pas mourir de faim. Ah, il fait enfin jour. Dan, on peut planter des algues maintenant, on me dit. Ah bah tiens, c'est génial. Raté. Bon, je veux quand même finir la maison, on a presque terminé, donc c'est à faire, et puis je vais commencer à me spécialiser en maçon. Du coup. Voilà, et le reste, on va le faire en bois. Du coup. En fait, si je fais une grande pièce, c'est parce que le volume de la pièce a une importance, les gars. Voilà. J'en veux 5. Hop, on est parti. Non, le serveur n'est pas accessible si vous voulez rejoindre. Il est dédié uniquement au live et aux gens de confiance qui ont joué sur les serveurs. Oh, merci à Don Diego 29 pour le sub. Il est dédié uniquement aux gens de la communauté qui ont prouvé bah, qu'ils pouvaient jouer ensemble. Et donc, il faut jouer sur les serveurs de la communauté. Si vous êtes bon joueur, eh bien, on va vous dire, bah tiens, est-ce que ça te dit de rejoindre le serveur de Dan en live? Et vous pourrez ensuite le rejoindre. Ok, bah, voici ma maison. Un peu en bois, un peu en terre, un peu en sable, un petit peu en rocher. C'est n'importe quoi, mais c'est un début. Hein. Par contre, purée, on va juste ouvrir là. Et on va commencer à boucher là. Je vais juste faire une petite fenêtre. Voilà, ici. Éventuellement, on aura du verre. Voici mon royaume, mon domaine. Ici, je suis roi. Je suis Big Dan et je suis dans le désert, dans ma grotte. Alors, en quoi s'influence le volume de la pièce? Alors, certains ateliers, comme celui-ci, vont avoir un prérequis en volume. Donc, par exemple, si vous voulez deux ateliers qui ont chacun 25 mètres cubes en volume, il faudra que votre pièce fasse au minimum 50 mètres cubes pour qu'il fonctionne. Alors, du coup, oui. Alors, regardons maintenant les spécialisations. C'est là que le vrai démarre. Voilà, donc là, on a fait la base. J'ai mon domaine et tout. Et du coup, j'ai dit que je voulais faire maçon. Alors, le problème en maçon... Ah, je peux me lancer. Alors, j'ai quoi? J'ai le mortier. Et j'ai miné. Alors, miné, ça va me donner quoi?
L'efficacité en miné. Ouh, ok. Pas mal. Et sinon, je peux faire du mortier. Je peux faire du mortier ou je peux faire du stoneworking. Je vais peut-être faire le stoneworking. Vu que Maxasa a pris l'autre, il a pris les deux. Alors, on va mettre... Ok. Et je vais prendre ça. Voilà. Apparemment, ça m'a coûté 0 points. Donc, j'ai pris les deux. Comme ça, je peux miner. C'est mieux. Et je peux aller là. Alors, ça me coûtait 1 point pour... Bah, on va mettre un dans chaque. Et dans miner, l'efficacité de miner, j'aimerais bien voir ce que ça me donne. Ça me dit pas. On va mettre un point dedans. Oh, purée, le prochain, il coûte 5. Ok. et là, alors, qu'est-ce que tu m'as débloqué? J'ai débloqué 3 plans. 3 plans. Ah oui, ça m'a pas dit. Ok. Alors, regardons dans le craft. Normalement... Ah oui, tu es là-bas. Normalement, je peux maintenant faire, oui, la table de maçon. Alors, il va me falloir 3 de roche. 3 de bois. Et 35 de roche, ça a manqué. Ok, bon, on va choper la roche. Alors, je me demande vraiment ce que... Ah, ça a été mis. Je me demande vraiment ce que l'efficacité de miner donne, parce que ça n'a pas... Ça me donne pas plus de blocs, vous voyez. J'en chope autant qu'avant. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, si jamais vous ne voyez pas les rochers s'empiler là, c'est parce qu'ils sont utilisés directement par la table là-bas. Danfield, tu peux laisser la souris sur les 3 plans pour voir quels sont les plans débloqués. Ok, ah bah tiens, on va regarder. Je vais y arriver. Je vois quelqu'un qui écoute le live en même temps. alors là. Ah oui, effectivement, je peux voir. Je peux voir. Merci. Alors, du coup, est-ce qu'on a assez de roches? On a toujours pas assez de roches. Il m'en faut beaucoup, hein. On écoute tous le live, d'accord. Ah voilà, donc là j'ai enfin suffisamment de rochers. Par contre j'ai pas assez de bois, il me faut plus... C'est à moi ça? Est-ce que c'est à moi? Je sais pas si c'est à moi. Non c'est pas moi, oh pardon, ok. Hé hey, Dr. Tsang, tu piques ma roche. Vilain. Non je rigole, c'est pour tout le monde. Alors il me faut du bois. Bon on va aller déforester un peu. Une fois que la météorite est détruite, Samuel, le jeu continue. Ah, j'ai oublié de choper les graines, zut, j'étais en train de dire le chat, j'ai coupé l'arbre, j'ai oublié de choper les graines, zut. Tiens, une tomate, hop, on la chope sur le chemin. Arbre, il est où? Je sais plus où j'étais. Zut. À force de regarder le chat, je vois pas par où je passe en fait. Et je me retrouve pas sur le retour.
Ah là-bas. Encore un autre passage, purée, je vais en avoir du bois là. L'arbre là, il m'en a donné beaucoup, hein. Ça sert à quoi de casser les troncs d'arbres? Quelle question! Peux-tu deviner? Ou alors tu veux dire les racines, peut-être? Les troncs d'arbres servent à donner du bois. Les racines, on les pète parce que c'est moche de les laisser et elles prennent de la place. Bon, lui, là, il est pas venu reprendre là, donc je sais pas, quelqu'un a dû oublier. Bah, je vais me servir. Non, je vais pas corriger le titre parce que je combats les nazis de l'orthographe. Non, je rigole, j'ai fait le titre à l'arrache. Je vais pas m'embêter à le refaire, c'est pas grave. Hein. Je le changerai à la fin du live quand même. Hein. C'est pas un S à la place du T, je pense qu'il va poser trop gros problème. Alors, du coup, maintenant que ça c'est fait, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai toi. Oups. Du coup, toi, on va te poser là. Alors, regardez, vous m'avez demandé tout à l'heure. Bah. On peut pas le placer là, après, je peux pas le placer là. Ok. Je peux te mettre ailleurs. Je peux te mettre là. Ok. Alors, on m'a demandé, voilà, regardez. Là, les prérequis. L'objet doit être dans une pièce et il doit être avoir 25 mètres cubes de réservé. Et là, on est à 192 mètres cubes. Donc, j'ai de quoi mettre pas mal de choses. Allez, j'ai fait un mur élevé, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? Je vais pouvoir faire ça qui va me permettre, qui va être pas mal. Alors, il me faudrait beaucoup de sable, mais ça tombe bien, on est à côté. J'aimerais bien faire toi qui va me débloquer... Ok, on va travailler vers le Stoneworking 4. Donc le 4, donc je peux mettre un point en plus. 2. 4. Ok, j'ai débloqué là, parfait. Le suivant, ça va être l'efficacité pour utiliser moins de choses. Bon, on verra après. Et là, pour la vitesse. Donc maintenant, je peux faire effectivement un objet assez important. Pourquoi je construis une maison? Parce que mes ateliers vont avoir besoin de maison. Maintenant, je vais avoir besoin de roche. Alors, je vais prendre de la roche avant que des sangles me piquent toute ma roche. Du coup, hop, go. Bah. Voilà. Bah. Ah, je peux pas prendre plus. On le pose, on te met là. Le méchant. Et en plus, ça va me faire une belle petite pièce là, qui va être facilement... Voilà. Oui, là, la session est un peu plus dure côté point de compétence, Florian. En gros, faut plus de points de compétence pour progresser comparé à une partie basique. Et la météorite vient plus rapidement. Alors oui, est-ce qu'elle est visible, là? Est-ce que la météorite est visible, ma petite? Non, elle est pas visible. Elle vient sous 12 jours, en gros, hein. On va voir les autres maisons. Bah attendez, je finis déjà la mienne, puis après on va faire un tour. De toute façon, on va devoir se rapprocher éventuellement. Ah, j'ai plus à manger. Alors je vais manger des tomates. Parfait. Et je vais mettre des tomates là-dedans. Et je vais devoir prendre un petit peu à manger. Je vais prendre un radis. Allez, comme ça, si jamais je suis en cata... La météorite est également visible la journée, je crois. Hein. Je sais pas si elle est synchronisée
Oula, le pseudo LOL 002002002. Okay. Je pense pas qu'elle est synchronisée avec la rotation de la planète. Mais la planète, elle tourne pas vraiment. Elle est plate, en fait, la planète. Les développeurs trichent un peu pour la faire ronde. Mais je pense pas qu'elle est synchronisée avec donc ça. Donc, je pense qu'éventuellement, on va la voir. Du coup, alors oui. Ce que je veux faire, c'est ça. Et pour ça, il me faut 22 rochers. Par contre, je peux pas la faire, pourquoi? J'ai pas. Ah oui, bien sûr. Ok. Voilà. Et donc là, tu vas me faire ça qui va me permettre de faire des briques. Maintenant. Le 1000, ça c'est quoi? Ça va me permettre. Ça c'est pour la cuisine. Ce que j'aimerais, c'est un magasin. Est-ce que des gens vendent un magasin déjà? Toujours pas. Ok, alors bah du coup on continue à creuser là, je veux plus de cailloux, purée, je vais réparer déjà. La terre plate, le complot est révélé. Est-ce que je vous montre à quoi ressemble la planète? Alors voilà, je vais vous montrer rapidement. Petite commande à demain. Non, je vais pas en faire souvent, mais on va remonter. On va laisser charger. Vous voyez, la planète est plate. Bon, après, il faut que ça charge. Mais elle est plate. Ok, on se repose. Hop là. Bon, là, elle n'avait pas chargé énormément, mais... c'était pour vous montrer, il n'y a pas de courbure, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ouais, alors oui, non, je me rappelle plus ce que je voulais faire. Ah oui, voilà, plus de rochers. Parce qu'on est maçon, on a besoin de rochers. Est-ce qu'il y aura une rediffusion demandée par Marco? Ouais, il y aura une rediffusion. La rediffusion est d'ailleurs publiée dès que YouTube a fini d'encoder la vidéo, quoi. Je rappelle, il y aura également une suite demain à 15h, toujours. Ah. Voilà. Bon, on va virer un peu la terre ici. Invasion! Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Ouh! Bon. Du coup. Oh purée, ça va prendre 30 minutes, alors on va faire d'autres choses avec l'autre atelier. Qu'est-ce que je peux faire? Table de recherche, quelqu'un a dû la faire. On en a besoin que d'une dans la zone. Le stockage, on l'a fait. On peut faire un arc. On peut faire des rampes. Table de fermier, mais ça, j'ai pas encore les compétences. Pêche, les outils pour là. Alors oui, ça, il me faudrait le woodworking. On va demander si quelqu'un a une charrue à vendre. Bon, je vais aller chercher à manger et je vais le ramener pendant la nuit et je vais le ramener à la base. Comme ça, on va cuisiner.
Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, la charrue elle est pas dure à faire, Anolia. C'est juste un woodworking. Alors, je cherche à manger, puis on doit aller de plus en plus loin. Pas de champi ? Eh bé ! J'espère qu'on va avoir des fermiers. Ah bah tiens, regardez, oula. Ici, il y a du... Ok. Ici, il y a du fer. Donc on va revenir avec. Ça, ça va être bon pour la communauté. Ok, bon, on va repartir, mais sans nourriture, non. Alors j'ai toujours un radis à manger, mais bon, c'est pas ça qui va me faire tenir très longtemps, quoi. Ah, DB, merci. Rien d'autre? Ici, un peu d'autres baies. Ok, bon, on va devoir les planter, hein, les choses, là, dans pas longtemps, parce que... On va galérer. Alors, je vais manger un petit peu de baies. Ouh, ça me fait perdre beaucoup... Point de compétence, hein, mais bon, au moins ça me nourrit. Je retourne vers là-bas. Oups là. Ah, regardez, c'est ça que je cherchais, des champis. Il va y avoir des graines de champi en les ramassant. Pas d'autres, si, il y en a d'autres. Ah, il y a même du fer plus proche. Ok, alors la base est là-bas, on y va. Ouais, il y a Edu qui demande si quelqu'un est fermier pour la nourriture. Je sais pas trop. Bah tiens, on va regarder dans les compétences. Ah, da-da-da-da. Alors pas chef, fermier. Oh! Ok, bah j'y retourne. J'espère que j'ai rien perdu. Ça va arriver de temps en temps. Ok. Ouais, je suis revenu là où j'étais, mais je recrache direct. Est-ce que je suis à un point sensible du monde? Ok, alors je me déplace. Non! Quoi? La quoi? La clé n'était pas présente dans le dictionnaire? Ok. Ah oh bah c'est joyeux. Ah oh bah si ça me fait ça. Ok, je suis revenu. Hey, je croise les doigts. Oh purée, j'ai cru que ça allait crash là. C'est bon? Ah. Météorite. On est bon? Ok, on est bon. Du coup, est-ce que j'ai le droit de voir qui est fermier? Il y en a un... Il y a R2-D2 qui est bon au creuser, en creusage. Ouais. Toi, personne n'a celui-là. Personne n'a la récolte. Et faire la ferme n'a pas encore été recherché. Est-ce que les modérateurs jouent aussi au jeu? Bah les modérateurs vous modèrent surtout, mais certains sont effectivement sur des serveurs. Alors hop. Voilà. Bon. Ok, oui, ça continue. C'est bien ce que je voulais voir. Du coup, bah, je vais devoir en faire d'autres. Hein. Je vais devoir en faire plusieurs parce que sinon, ça met trop de temps à faire des choses. Je préfère des brasiers, tiens, déjà. Où il n'y a plus de musique, là, ça me fout les boules. Pourquoi ? Là, il n'y a rien de spécial. Et je vais devoir faire un autre... Deux maçons. On va en faire un deuxième, voilà, parce que sinon ça va être trop lent.
Et je vais faire un deuxième zone de stockage. Et je vais peut-être commencer éventuellement. Alors. Ah, ils sont en train de faire la construction, la recherche de construction de rochers. Génial. Par contre. Ça, ça coûtait un point, je vais le prendre. Ça, c'est la vitesse, on s'en moque. Et on va mettre là. Comme ça, je vais utiliser 20% de ressources en moins pour faire les constructions. Alors, oui, on revient pour la nourriture. Je vais prendre les radis et je vais vous donner des champis, je sais pas. Non, ça a pas l'air de démarrer quelque chose. Et je vais garder ça, par contre, en échange. Alors, quelqu'un a besoin de minerai de fer, donc je vais aller en déposer. Vu que j'en ai pas besoin. Donc, on va faire le tour. Alors, Anolia va en avoir besoin. Alors, Anolia, tu es où? Ouais, je sais pas, c'est quoi ta zone? Ouais, s'il y a rien. Là, on est chez Fermier. Là, on est chez Zergling. Ah, là, on va avoir un pêcheur, là. Bah tiens, on va aller voir comment ça se passe pour la pêche. Ok. C'est des pièges à poissons. Ah, il y a plein de poissons dedans, vous avez vu? Oh, génial. Ok. Bon, ben, on est reparti. Bon, bah, ben, pour le moment, je vais garder le minerai de fer. Il y en aura dans ma base, ils viendront prendre, ou je le déposerai quand je saurai qu'il y en a besoin. Apparemment, Anolia, on aura besoin plus tard, mais pas maintenant, donc... On va le mettre là-dedans, et je vais donner accès à mon stockage à tout le monde. Est-ce que je peux donner accès à tout le monde? Ah, le stockage est possédé par personne parce qu'il est peut-être pas dans ma zone, c'est ça? Si, il est dans la zone, il est pile dans le... Ah non, il y est pas, c'est pour ça. Ah bah tiens, ça va être le moment d'agrandir notre zone, quand même. Non? Ah. Voilà. C'est bon. Et maintenant, je peux donner l'autorisation à public. Voilà, comme ça, tout le monde peut choper ce qu'ils ont besoin dedans. Alors, ici, ça donne quoi? Ok, ils ont fini ma table de maçonnerie. Donc, je vais pouvoir mettre une deuxième. Et j'ai un deuxième stockage pour plus tard. On va te poser... non, je ne l'ai pas ramassé. Si? Ah. Ouais, il se passe quoi, là? Mais il veut détruire ma base, lui. Du coup, on va te poser ici. Ouais, c'est le bon côté. Bon, toi, t'es en train de faire quelque chose, donc on va te laisser. Et toi, tu vas faire... quelques brasiers. Ça va mettre 10 minutes. Et alors, pour faire... Toi, il me faut lequel? Il me faut... le pitch. Ok, c'est du pitch, donc il me faut faire... celui-ci, je crois. Ou alors celui-ci, je sais pas. Toi, je peux pas te lancer, pourquoi?
Ah, Mortier Production 2. Ok. On fera le premier. Celui-ci qui va me demander du sable. Donc, pour ça, il va me falloir du sable, mais ça va être compliqué à faire. On va juste... on va continuer à choper de la roche, tout simplement, vu qu'on est... on est maçon. Alors... Ah, je suis bloqué. Dan joue sur un serveur privé comme le dit Xav. Ouais, le serveur là n'est pas accessible au public. C'est juste pour ceux qui ont éprouvé qu'ils jouaient bien sur les serveurs publics. Petite récompense, vous jouez avec moi et vous jouez sur un serveur qui est bien contrôlé. Alors. Mais bon, qui crache toujours, hein, malheureusement. Ça, cet aspect du jeu n'a pas changé. Bon, je vais avoir besoin de bois quand même, donc je vais aller en chercher maintenant. Bah ouais, Anolia, je pense, vas-y. Ah, oh, j'ai oublié de choper les feuilles, vite. Ah, les feuilles, vite. Ah, oh, j'ai oublié de les choper. Vite. Ah, il faut pas oublier. Ah, là, il y en a encore. Voilà, merci. Est-ce que ça m'a donné une graine? Non, ça m'a pas donné de graine. Bah Rewan, à ce rythme-là, j'aurais une caverne gigantesque, ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah, c'est bon? Regardez la technique pour couper. On ramasse tout. Ah, encore un peu de place. Alors, je vais couper tant un peu plus. Alors, toi? Voilà. Je repars avec... Oh purée, c'est là-bas chez moi. Ok, alors faut que je me rappelle. Ok, voilà. Derrière le machin caillou. J'en ai 5 canolias. Alors, petit caillou repère, il est où? Il est là? Voilà. Ah, plus de place. Je vais relancer un petit peu, effectivement. Ça va être là. Et on va essayer de trouver Anolia. Ah. Je vais en faire une dizaine parce qu'on aurait besoin plus tard. Alors, Anolia nous a dit être en dehors de la ville. Là-bas? Elle est là-haut. Ok, ouh, purée, il y a un peu de chemin. Oui, ben on va y aller. Et du coup, je vais amener les 10... Ouh, je vais amener les 10 avec moi. Donc, au nord-est. Ok. Donc là, j'en ai encore un peu à faire. Encore un.
Pas de demande de réponse, s'il vous plaît, dans le chat. Je peux pas répondre à tout le monde. Non, je n'ai pas de plan de faire une ferme. Je suis pas fermier, je suis maçon. Ok, là, on a ce qu'il nous faut. Du coup, je vais chez Anolia. Amène les 10 à la recherche station. Mais elle est où, alors, Anolia? C'est où? Ok, table de moelle. Là, c'est un workbench. Table de maçon. Workbench. Station de réparation. Ouais, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, les gars. Au sud de la ville. Ouais. Je vois pas. On va demander à quelqu'un de me guider. Tiens, on va en profiter en attendant qu'il y ait une réponse pour virer ça. Pour la pierre, va en profondeur. Bah éventuellement, pour le moment, il y en a tellement autour qu'il n'y a pas besoin d'aller en profondeur. Enfin, pour le moment, il y en a. J'ai un nain à côté de chez moi qui... J'ai un nain qui me taxe toute ma pierre. Donc, personne ne me mène à la table de recherche. Mais dis donc, les gars. Ah, bah tiens, Tinozo qui la cherche pour moi. Bah, c'est pas besoin... Ah, c'est ici? Non, c'est pas ça. Non, ça, station de repère. Au sud de la ville. Bon, on va aller y aller. Ici? Non, ça c'est maçon. Swoking qui dit par ici, je te suis, vas-y. Non, sérieux? Bah comment vous voulez que je trouve ça? Comment vous voulez que je trouve ça, les gars? Bah non! Ah, ok, bon bah c'est mieux. Ah, il n'y en a pas besoin. Je peux pas les mettre dedans. Ah, il y en a 10 qui manquent, mais je peux pas les mettre dedans, pourquoi? Ouais, j'ai bien les bons. Ouais, je peux pas les mettre dedans. Qu'est-ce qu'ils font en bas? Ah, ils commencent à aller en profondeur. Oh purée, bah regardez, il y a déjà des gars qui ont commencé par ça. Bah les gars, je vais vous mettre à côté. Je vais vous mettre les trucs à côté, mais je peux pas les mettre dans la recherche. Je sais pas pourquoi. Je clique droit dessus, ça marche pas. Bon, on retourne à la base. Et on va voir où on en est dans ce que j'ai demandé de construire. Je veux commencer à faire des murs en rocher, effectivement. Alors, toi, 48 secondes pour le brasier. D'ailleurs, je vais faire peut-être une autre table de maçon. Ah, encore des... Ça coûte combien une table de maçon? 32 de rocher. Allez, on est parti. Toi, t'as encore 6 minutes pour faire les briques. Et toi, tu vas finir. Alors, j'ai jamais fait des brasiers, donc je sais pas du tout ce que ça va me donner. Vous allez où? J'en ai fait qu'un? Ouais, j'en ai fait qu'un. Le but est de détruire dans ce jeu, de détruire la météorite. Ah, c'est là-dedans. Ok. On va mettre un brasier... ici, pour montrer que je suis un maçon. Et alors, il me faut du carburant. Pour le carburant, il me faut quoi? Alors, il me faudrait des troncs d'arbres, du lumber, du charbon, des flèches, des planches.
Ok, du charbon ou du charbon. Ok. Bon. Maintenant. Si je voudrais faire de ça, il me faudrait un. Ok. Alors, on va demander d'en faire une dizaine. Et donc, on va lui donner du sable. Non, c'est pas du sable. Ça, c'est... Ah, c'est pas du sable! Zut, c'est. C'est pas considéré du sable. Alors, où est-ce qu'on va trouver du sable? Oh, il va falloir aller là-bas. Il y en a ici, sinon, ben, ça va devoir attendre qu'on ait un chariot. Ok. Ça doit attendre qu'on ait un chariot. Bon. Je vais aller chercher à manger. Si on ne détruit pas la météorite, il arrive quoi? Ben, elle va s'écraser. Et c'est la catastrophe. Oups, on va là-bas. Ici, il y a bien du sable, mais il me faut un chariot. Une charrue. Autant que je mets dans les feux communaux, mais ça devient dur de trouver. Hein. Pourtant, on a une grande planète, mais bon, on est tous au même endroit. Ah, on a quand même, vous voyez, des petites choses là, comme ça. Est-ce que je peux l'attraper? Ah, il est où? Bah, il est passé où? Ok, ah bah tiens, ça, on va le prendre. Ça va être bon pour la communauté, un peu de fer. Anolia va en avoir besoin. Alors, est-ce qu'on a déjà un candidat? Ah, il y a une élection. Anolia veut... Bah tiens, ouais, on va voter. Alors, ça me fait sortir, vous n'allez pas le voir. Mais ça me fait sortir... Voilà, j'ai voté. J'ai voté. Vous voyez, oui. Donc pour faire des districts. Parfait. Là, j'en suis à 16, un dernier. Et on va rentrer. Alors maintenant qu'on a du fer, on va tenter de rentrer avec de la nourriture. Allez, allez, champi. Haricots. Ah, des baies. Pas mal de baies dans le coin. Mais c'est pas des baies que je veux parce que les baies me font perdre des points de compétence. C'est les haricots qu'il me faut. Ah, là, il y a des haricots. Parfait. Alors, faut pas manger tous les haricots parce que vous pouvez les replanter, les haricots. Ouh, regardez. Regardez-moi ça. Alors, hop, j'ai perdu la feuille de chat. Je la remets. Combien y a-t-il de méthodes pour détruire l'astéroïde demandé par Nguyen? Il y en a une. Il y en a qu'une seule. Bon, voilà, j'ai ce qu'il me faut, on rentre. Cherche près des rivières. Ouais, mais... Voilà, j'étais dans une zone un petit peu froide. Alors oui, on a... On a différentes températures qui vont être plus ou moins propices pour certaines choses. Par exemple, les cactus vont pousser que dans les zones chaudes, bien entendu. Alors, on retourne à la base. Maintenant qu'on a nos champis, nos baies et nos haricots. Alors, on a un message qui nous dit qu'on a gagné contre la météorite, mais on a une superbe animation. Si vous voulez voir ce qui se passe quand on finit, bah regardez le live jusqu'à la fin. Ou alors, regardez ma vidéo dédiée à ça. Alors, du coup, je vais mettre... Bah, du coup, je vais mettre des choses... Ouh, ça a changé, là? Non, c'est là-bas, ok. Je vais mettre des choses ici. Alors, qu'est-ce que je peux leur mettre? Ouh, il y a maintenant de la viande. Par contre, il n'y a plus de place. Plus de place. Alors, je vais prendre deux. Et on va mettre...
80. Ah! Ah! Ça passe quoi là? Je vais retirer les graines et je vais les planter. Ah, mais non, mais. Ok, il faut mettre plus de coffres liés. Ok, je vais leur faire des coffres pour les mettre là parce que sinon. Du coup, on va là-bas. On va mettre deux coffres. Parce que là-bas, on n'est pas limité par le nombre de compos, on est limité par le nombre de places dans les coffres. Non, je ferai pas de vidéo setup. C'est vraiment pas le type de vidéo que je fais sur la chaîne. J'ai même pas un setup spécial, donc il n'y a rien à voir. J'ai 4 serveurs, Sandrine, qui sont en place et les 4 sont ouverts, oui. Non, vous ne pouvez pas rentrer dans le serveur live. Il faut jouer dans les serveurs de la communauté. Prouvez que bah, vous pouvez être invité dans le serveur live, simplement. Du coup, ah oui, ça c'est fini et ça c'est terminé. Génial, ok. Alors, non, mince, je l'ai mis dans le mauvais endroit. Ok, donc toi... Voilà. Alors, regardons, j'en suis à combien? J'en suis à 75 sur 192 d'utilisés. Tu en es où pour la construction du coffre? Tu en es à une minute restante. Alors ça, ça, je sais pas trop où le mettre. Regardons. Je le pose là. Il faut qu'il soit dans une pièce. Il prend pas de place. Il a besoin des matériaux. 32 matériaux tier 1. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des murs en bois. Ok, bah donc du coup, après, on va lancer pas mal de ça. Ouais, donc il faut 40. Il va me falloir chercher pas mal de bois. Ouais, le serveur du live est sur invitation uniquement. Du coup, il va me falloir plus de bois maintenant. Est-ce qu'on a du cactus à péter? Non. Alors, je crois quand même que j'ai maintenant disponible... Non, toujours pas mon coffre? Non, ok. Je vais au moins mettre un coffre là-bas. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Alors, stockage. Comment je sais lequel est quoi? Est-ce que je peux mettre un nom? Je peux pas changer son nom? Ouh, petit freeze. On va aller mettre les 4 là-dedans. Comme ça, on va envoyer les choses qui sont fabriquées là-bas. Tac, tac. Ah vous voyez, il y a déjà des choses qui sont tombées dedans. J'espère que je me gourre pas. Du coup, bah je veux toi. Et j'ai mis des haricots. Alors les haricots, je regrette un peu de les avoir mis au final parce qu'on peut les replanter. Mais on en trouvera ailleurs. Bon allez, j'ai mis les haricots. Du coup... Oui, on a dit qu'on a besoin de bois pour faire la pièce pour le four. Ah zut, j'ai du fer en main. Hop. Plus de bois. Alors non, ne me dites pas Danufil, point d'interrogation, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses, je peux pas vous dire oui, qu'est-ce que tu veux, dites-moi. Et si je peux, je lis, je vais probablement rater, il y a beaucoup de chats. J'ai 3 pages, mais ne me demandez pas comme ça, s'il vous plaît. C'est pas gérable pour moi. Je ne ferai jamais de facecam. Absolument jamais. Si vous êtes habitué de mes vidéos, vous savez que je n'en ferai jamais. Alors, est-ce que je peux faire une séance de minage? Bah, peut-être plus tard, pour le moment
J'ai des petites choses à faire avant, mais pourquoi pas, ouais. Ok, bon, on va devoir revenir là-bas, ok. Récolte des... Ah, les graines, effectivement, lol, zut, lol 002. Récolte des graines, j'ai encore oublié de récolter les graines, ouais. Vous voyez, quand mon esprit est un peu partout... Faut que je récolte les graines, c'est important pour le futur de la planète. Alors, pour information, je crois qu'on a... on a combien que je me gourre pas sur la planète? Je vais voir combien de plantes on a sur la planète actuellement. Alors, je dois aller sur le site du machin. On a 34 417 plantes actuellement. 34 417. Donc, il faudra s'en rappeler. Ouais, Yagoto, j'ai oublié les feuilles. Ouais, dommage. Non, je ne ferai jamais de facecam, même pour les 2 millions d'abonnés. C'est par rapport à mon job, je ne ferai pas de facecam. Et c'est quelque chose que j'aime pas. Je ne regarde pas des youtubeurs qui font des facecam. Donc, ah, tiens, les tomates. Donc, je n'attends... Je ne cherche pas ça, donc je ne le fais pas moi-même. Et en plus, mon boulot me demande un certain niveau de... Pas de mystère, je dirais. Voilà, je dois rester suffisamment privé et donc je ne fais pas de facecam. Alors, hop. Jamais. Voilà, simple. Tout ça, je le dis clairement, jamais. du coup, ici. Hop. Et je crois que je vais être bon en bois. Il se termine à quelle heure le live? Je ne sais pas. On va voir en fonction de comment les choses se passent. Je ne sais pas encore. Hop, puis regardez le feu qui brûle au loin. Bon, maintenant, alors toi, on va mettre... Ben non, on va pas encore utiliser des ressources pour faire brûler. Quand on aura du charbon, on va en mettre. Par contre, du coup, toujours pas de magasin. Non, personne n'a fait de magasin pour le moment. Du coup, ben on va faire de cette pièce la pièce pour le four. Donc, on va devoir virer un petit peu tout ça. Et je vais devoir mettre du... Je vais devoir mettre du bois parce que le four demande que la pièce soit d'une qualité minimum. Et donc il faut un certain nombre d'éléments de qualité 1. Ouais, il y a du minerai de fer sur le toit de la maison, mais j'en ai suffisamment. Et comme c'est pas un jeu où il est important que j'ai personnellement du fer, et que c'est plus la communauté qui en est, je n'ai pas à m'inquiéter que quelqu'un le pique. Quelqu'un va le prendre s'il en a besoin. S'il en a pas besoin et que quelqu'un en a besoin, j'irai le prendre pour lui, tout simplement. Pas de problème par rapport à ça. Purée, je veux une charrue pour la maison. Alors on va virer toute la terre là. C'est sur quelle plateforme hein? C'est sur ordinateur, le jeu n'est pas ailleurs. Et pour être franc, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que le jeu sera sur Xbox et tout ça. Je dois vous dire que n'ayez pas beaucoup d'espoir par rapport à ça. Le jeu est vraiment mal optimisé. Donc je m'attends pas à le voir tout de suite sur console, même si jamais il arrive un jour. Voyez, je pense qu'il n'arrivera pas dessus. C'est le genre de jeu où les développeurs ont déjà du mal à faire quelque chose de stable sur PC. Voilà. Puis il y aurait beaucoup de choses à creuser. C'est quoi le prix du jeu? Orthographe bizarre. C'est quoi le prix 29 et du poussière. Ouais, c'est plus une brouette qu'une charrue, c'est vrai. Je dis charrue, mais c'est une brouette. Comment je transvase la terre en chaîne? On va faire le petit coin là, puis on va s'arrêter. Petit
passage là. Ah, je dois manger. Je dois manger, on va déposer les tomates là-bas et on va prendre quelque chose en échange. Du coup, je vais te mettre là. Et on va prendre des tomates. Voilà, j'ai posé des tomates, j'en ai pris. C'est moi où j'ai deux pioches. J'ai une pioche et une pioche. Ok, bon bah. Du coup. Non, je n'en ferai pas. Et arrêtez avec s'il te plaît, réponds-moi, s'il vous plaît. Je réponds quand je peux. Hop. Bon, maintenant on va... T'en es à où ? Ok, donc j'ai suffisamment pour commencer à faire le mur. Donc on va y aller. C'est là-dedans, on va... ouais, 15, go. On sort là, toi. Et on va faire un petit peu la base. Chose de correcte. Je vais te faire enfin. Voilà, comme ça tu vas prendre moins de place. J'ai besoin de ça pour pouvoir accueillir le four. On va retirer toi. Alors. Qu'est-ce qui me bloquait en bas, je sais pas. Purée, il fait sombre là. Vite. Ok. Alors là, c'est le serveur qui a déco. Alors, je vais prévenir Teco. Serveur déco. Teco, à toi. À toi de jouer. Faut-il avoir un bon ordinateur pour jouer? Alors, ça va dépendre de ce que tu considères un bon ordinateur. Je t'invite plutôt à regarder les prérequis qui sont indiqués sur Steam pour avoir une bonne idée comparée à ton ordinateur. Parce que pour être franc, Je veux pas cracher sur mon petit modérateur adoré qui s'appelle XamCDB, mais je pense que par exemple, un ordinateur moyen pour lui et moi n'est pas la même chose. Vous voyez, vu la bête de guerre qu'il a actuellement. Ouh, je viens de voir que j'ai raté. Ouh, j'ai raté. Désolé. Je remonte. Quelqu'un a fait un tip et... Ah bah tiens, c'est Hakuna Matata. Bonjour Monsieur Dan, quelle agréable surprise. C'est la première fois que je peux assister à un de tes lives. Je te souhaite un très bon week-end. Et moi, je te remercie beaucoup. C'est très gentil de ta part. Tu es le premier à faire un tip aujourd'hui. Et je rappelle d'ailleurs, tous les 10 euros de tip, on balance des loteries pour faire gagner des jeux gratos. Hein. Donc voilà. Le serveur a du mal. Le serveur, c'est pas le serveur qui a du mal. C'est plus le code du jeu qui fait crasher. Alors, je vais vous dire l'ordinateur que l'on a actuellement pour ce serveur. C'est un Core i7 avec 8 cœurs qui fait 4.7 GHz et qui a un boost jusqu'à 5 GHz. 64 Go de DDR4, RAID 0 en SSD sur une connexion 1 Giga de fibre. Donc, c'est un monstre. Il est meilleur que l'ordinateur que j'utilise. Hein, en dehors de la... Vu qu'il n'a pas de carte graphique, si on ignore ça. Donc, donc voilà. Est-ce qu'il y a une limite de profondeur d'un map? Oui, il y a une limite de profondeur, mais elle est décidée quand on crée la map. Je crois pas qu'on peut créer au trou de la planète, vu qu'elle est pas ronde, la planète. Elle est plate. La planète est plate. Donc, alors. Est-ce que c'est le serveur qui a crash, là, ou est-ce que c'est... C'est peut-être le serveur d'authentification des développeurs, dans le cas-là.
On recommence. Alors, t'es quoi à relancer le serveur? Et je sais pas ce que tu me fais là, mon petit. Alors, les développeurs avaient promis un serveur avec le patch staging plus stable. Mes fesses. Il n'y a aucun serveur, regardez, j'ai plus aucun serveur. Vous recevez le live quand même, hein, je n'ai pas été déconnecté là. Attendez, je regarde si le live il tourne parce que. Je vois votre chat qui défile, mais on ne sait jamais. Je crois que c'est le jeu qui a déconné, pas le serveur. Enfin, les serveurs. En fait, il y a deux types de serveurs. Ouh, il y a Thug Life également qui a fait deux types de 1 euro. Chez moi, le serveur est up. Ouais, chez toi, le serveur est up. Ok, merci. Ah bah tiens. Là, je reviens, serveur live, il est revenu, parfait. C'est juste qu'il y avait des problèmes de rafraîchissement, je pense que c'était peut-être le truc du dev. Ouais, donc je disais qu'il y a deux types de serveurs, il y a le mien et celui d'authentification des développeurs. Du coup. Oh purée, le rollback! Non! Mes beaux murs! Ah, je suis vert! Oh, je suis vert, j'ai perdu le bois et les murs. Ok, pas cool. Bon, du coup, toi, t'es toujours en train de nous en faire. Ok, donc on va devoir en faire plus, je vois, je vais pas en avoir assez là. Tu vas m'en faire 30 de plus. Et je vais devoir aller chercher encore du bois. Donne la lumière, quelle lumière? Tu veux dire salador? Alors j'allume pas pour le moment parce qu'il me faut du bois pour l'alimenter et j'ai pas assez de ressources déjà pour mes murs. Alors la lampe est un luxe là actuellement. Ok, on va devoir finir là. Mais avant, je vais chercher du bois. Et après, je vais mettre enfin. Bah tiens, je vais voir ce que je peux te mettre dedans tout de suite. On va te virer. Ah, il a un projet actif, ouais. Annulé, ouais. Voilà. C'est dans le bon sens là. Ouais. Oh, regardez, on dirait un nez de cochon. Génial. Et donc toi, on va te poser ici. Voilà. Et donc tu vas me refaire toi 30 plutôt. Et je vais chercher le bois. Tu fais quoi comme métier sur le serveur? Demandez. Purée, le ça passe vite par Apocop. Je suis maçon. C'est pour ça que je me suis mis dans une mine. On va aller de plus en plus loin. Tu live lundi? Non, pas de live lundi. Il y aura un live demain sur le jeu, pas lundi. Mardi, il y en aura un. Lundi, je vais. J'ai des projets personnels. Alors. On va choper les feuilles. Hop, ninja. Ok, raté. Voilà. Tu vas y arriver. Hop, regardez-moi ça comme un écureuil. Parfait.
Hop. Bon bah je suis bon. Alors surtout ne faites pas ce que je fais. Si vous êtes un bûcheron. On évite ça. Ok, alors maintenant on va péter l'arbre maintenant qu'on a chopé les feuilles. Oui, je connais le jeu, Matt D, mais je n'y jouerai pas. Alors, on va péter ça. Alors, hop. Ah, péter les branches. Alors, c'est reparti. Alors, maintenant, faut que je retrouve ma base. Oh, purée. Ok. Ok. Donc, au passage, on est à 7 euros de dons. Donc, dans 3, on vous balance... une loterie avec un jeu à gagner. Au gagnant, bien sûr. C'est reparti. Là-bas. Donc, c'était là hein, qu'on m'a signalé qu'il y avait du fer. Je suis bien au courant. Mais bon, il n'est pas urgent de le ramasser, quoi. Ah, voilà, c'est là-bas. On va ramasser le morceau de bois. J'aurais peut-être dû le laisser pour me repérer. C'était ici? Non. Si? Il restait que ça? Ah, non, c'était là. Ok, j'ai chopé le bois de quelqu'un d'autre. Alors, on va te casser en deux. Non, toi? Non plus? Voilà, ok. Et il faut que je revienne là. Avec ça. Bah, je crois qu'on va en avoir un double. Et j'ai faim. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à manger? J'ai des baies, ouais. Ah non, j'ai plutôt ça. Ok. Ah, où es-tu? Ça va être par là. Par là. Ah, voilà, voilà. Pff, je me retrouve jamais, moi, c'est incroyable. Ah, il en reste encore un. Il en reste deux. Ah, un champi. Bah, tiens. Champi! Il y a des champis, c'est génial. Oh, bah, tiens, je vais me servir. Je vais les ramener à l'endroit en cuisine. Alors, pas prendre les rouges, je crois qu'ils sont pas bons, hein. Je sais pas si on peut faire quelque chose avec. Oh, nouveau type de champi. Ah, elle est bien. Ah, non, c'est pas nouveau, c'est juste qu'il est mort. Je me fais emporter, là. Je suis à l'autre bout du monde. Comme le petit poussé qui suit les champignons. Ok, on va rentrer. Je reviendrai là si j'ai besoin de bois. Je sais où je l'ai laissé. Ah zut, le chat ne défilait plus, pourquoi? Ok, désolé si je répondais pas, le chat avait arrêté de défiler, j'ai dû le réactiver. Tu finis à quelle heure? Je ne sais pas. Non, je ne ferai pas de vidéo sur Fortnite. Je termine quand je termine, les gars. Oui, j'ai plus de place. J'ai plus de place, alors par chance j'en ai fait un deuxième. Voilà, et on va devoir... alors les activer...
Ça va être toi. Tu vas aller dans stockage et tu vas utiliser celui-là. Ok. Bon. Alors, on va poser les champis là-bas. Ah, bah, il y en a déjà. On va attendre. Ah, je vais poser des... Tac, on va prendre des tomates. Alors, est-ce qu'on peut lancer les champis là-dedans? Alors, je suis pas cuisinier, donc je pense pas que je puisse les lancer, les plats. Zut. Bon, est-ce que j'ai par contre maintenant ce qu'il me faut? Ouais. Bah, il est passé où mon bois? Quelqu'un a piqué mon bois? Non! Quelqu'un a pas piqué mon bois quand même! Le bois que j'avais posé là! Ah non, il est allé là-haut, j'ai eu peur, je me suis dit mince! Du coup. Ah, là, je crois qu'on peut maintenant faire un toit! Je crois que maintenant on peut faire un toit. Non, ah non, peut-être pas, j'ai rien dit. Ok, alors hop! On va faire là. Donc quand ça va être fermé, je vais pouvoir mettre mon four. Ok. Ah bah tiens, merci à D5 qui vire le sable. Génial. Ça m'aide. Enfin, le sable à terre, plutôt. Du coup, bah je vais pas avoir assez de bois. Catastrophe, l'histoire de bois, là. On va devoir aller en chercher, à nouveau. Et après, bah, on va recommencer à faire le vrai travail de maçon. J'ai loupé un don. Alors, j'ai loupé un don. Est-ce que Xav peut me le dire, ou quelqu'un peut me dire avec le message que j'ai loupé? Désolé, quand je suis concentré, je loupe. Et c'est effectivement pas cool. Ah, Anolia m'amène des logs. Génial. Ah, je crois que D5 fait sa base... Ouh, avec de la terre. Ouh, ok. Ah. Non, et juste au moment où j'ai chopé le bois du stockage, non. Juste au moment où je le chope, donc je sais pas s'il va être compté quand je vais revenir ou il va être perdu. Don de Hakuna Matata. Ah bah tiens, bah merci Hakuna Matata, mais je l'ai pas déjà signalé. Ou alors il y en a eu un deuxième, ou alors à moins que je me trompe. Ah, Hakuna Matata, zut alors, sinon je t'aurais bien proposé de faire un petit Need for Speed pour améliorer ta conduite. Je fais pas ce genre de jeu, malheureusement, je fais que des jeux indépendants. Alors, bah du coup, je re-signale à Teco, comme quoi, alors je sais pas ce qui se passe, il faudra qu'on regarde, ce soir on va regarder pour que pour voir si on peut améliorer pour le live de demain. Donc ça a tenu 20 minutes en fait. Y a pas de problème, Max. Vous êtes vraiment pas obligé de faire un tip. C'est vraiment complémentaire. Et bah du coup, là, je crois qu'on a assez pour lancer une loterie, si je ne me trompe pas. Dans le cas là, un de mes modérateurs va vous lancer une loterie sur mon site de loterie. Si je me gourre pas. J'ai pas de chance, effectivement, sur les crashs. Alors, regardons. Ah bah tiens, regardez, le serveur 4 est offline également. Tous mes serveurs sont coupés ou quoi? Ok, non, le celui-là il est en on, mais il est sur la 0, ça c'est normal. Normal, normal. Ok, donc là vous pouvez jouer en normal. Nous on est sur une version spéciale du jeu. Le 4 est coupé, donc faudra qu'un de mes modérateurs le relance et me relancer le
celui-là. Je compte sur Teco. Ah, le serveur est tout neuf, c'est juste que le jeu crash. Hein. Tous les serveurs crash, mais bon, normalement, il crash pas autant. C'est le dernier patch qui est pas terrible. C'est le dernier patch qui est pas terrible, et donc je me dis, on va peut-être revenir sur, pour le prochain, je vais voir si on peut revenir à la version 0.7.1.2, qui est apparemment plus stable pour le live de demain. On va voir. Alors, s'il y a une loterie... S'il y a une loterie, ça sera posté dans le chat. Bah tiens, je vais vous le mettre maintenant pendant qu'il y a le petit... Alors je vais pas faire la loterie parce que c'est mes modérateurs qui les font. Mais voici le site de loterie. Alors effectivement, on est à 12 euros de dons et vu qu'on a dépassé les 10, donc il y a la loterie. Alors je vais juste voir... Alors, maintenant je retourne sur le jeu, désolé. On rafraîchit. Le serveur est en train de se relancer. Ah, Bastou ? Ouais. On a une loterie à faire pour les 12 euros de dons. Ok, ouais, je m'en occupe. Merci. Ça va. À toutes. À toutes. C'est lancé, voilà. Ok, merci. Emilien Large, j'ai refait personnellement du Astronir, mais pour être franc, il y a effectivement du nouveau contenu, il y a surtout effectivement un changement de la façon que la recherche est approchée, mais il n'y a vraiment pas suffisamment hein, pour, on va dire, justifier un nouveau live ou un nouveau let's play, quoi. Alors, ok, j'ai bien perdu les 5 de bois que j'avais dedans, oh là là. Bon, alors, on va relancer, ou est-ce que c'est déjà en route? Ok, c'est toujours en route, mais on va devoir en faire plus, donc on va remettre 20 en plus. Et alors, je sais qu'Anolia me ramène du bois, mais je vais en chercher moi-même, parce que je vais devoir peut-être faire le toit également, je sais pas ce que je vais devoir faire. Bah tiens, est-ce que là, on en est à combien dans les prérequis? Ok, on n'est pas dans une fermée. J'espère que le bois, c'est du tiers 1. Je vais demander. Ah, je suis coincé là. Ok. Donc Anolia me confirme pas mal. Dan, t'es sur Twitch? Ouais, je suis également sur Twitch. Oula, regardez-moi les arbres, là, ils ont grandi ou quoi? Ils ont poussé. Zut. Ninja. Non, on va devoir monter un peu plus. Purée, il est de l'autre côté. Il n'est pas bien placé. Ah voilà, c'est bon. Ok. On coupe les branches. Ah, génial, merci Anolia pour les le bois. Alors, je sais que tu écoutes le live, mais je te le dis là quand même. Dan, c'est quand la loterie bonus? Bah, dès qu'on va vous le dire dans le chat, je sais pas, c'est pas moi qui la lance, hein, c'est un de mes modérateurs. Donc, dès que mon modérateur peut faire, il vous le dit. Eh ben tiens, ouais, regardez, Nightbot vous l'a prévenu. Donc là, si vous gagnez, vous recevez un email qui vous confirme que vous êtes gagnant. Merci à Rip Gelal qui a souscrit. Oui, donc si vous gagnez, vous recevez un email qui vous dit que vous êtes gagnant. Et vous allez également avoir un code que vous allez rentrer sur le site. Et vous choisissez le jeu parmi les 500, 600 jeux qu'il y a disponibles sur le site. Alors, du coup. Hop. Voilà. Donc j'espère que mon atelier travaille dur.
Tac. Bois, 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 et bois. Ok, purée, il va falloir faire un autre retour. Un autre aller-retour même. Là, on est combien là, actuellement sur le serveur? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9 actuellement. Là, est-ce qu'on a des nouvelles lois? Ah, il y a des élections actuelles. Bon, je voterai à la fin, tout à l'heure. Il n'y a que Anolia qui est candidate. Personne ne se présente contre elle. Donc bon, je pense pas que les élections vont avoir beaucoup de suspense. Pour participer à la loterie, il faut avoir... vous vous êtes inscrit sur le groupe Steam, effectivement. C'est pour prouver que vous faites bien partie de la communauté, que vous n'êtes pas un bot ou autre chose. Ok, alors je crois qu'il y avait un autre morceau de bois dans le coin. Non? Je sais plus où il était. Ah, ici. Hop, on va péter ça, les racines. On peut pas rejoindre le serve, Monkey. C'est pas un serveur ouvert aux gens. C'est juste pour les meilleurs joueurs sur les serveurs de la communauté. Si vous êtes sage, éventuellement, vous pourrez peut-être vous faire inviter, effectivement. Mais on a invité que les gens qui ont confirmé qu'ils pouvaient jouer en communauté. Ok. Alors, du coup. J'en ai que 6, c'est pas possible, ça. Comment ça se fait que j'en ai que 6 hein? Pendant tout le temps que j'ai fait des allers-retours, il y en a que 6 qui ont été faits. Bah dis donc. Ok, bon, on va déjà fermer et puis après on va voir pour les murs. Purée, tout le bois que j'ai perdu à cause de ça, à cause du crash. Ok, ça va très vite. Ok. Et est-ce qu'il y a un magasin? Il y a toujours personne qui a fait de magasin. Ok. Donc là, j'ai du bois. Et on va vider un petit peu la terre du coin. Ça. Non, je veux pas prendre des rochers. Où est-ce que je vais les mettre? On va les mettre là-dedans, puis on les virera après. Hein. Oups, je l'ai mis dans le mauvais, pas grave. Alors, j'ai regagné qu'un point de compétence. Il va falloir qu'il y ait une bibliothèque pour que je puisse choper les points de, enfin les métiers. Hop. Ah, du coup, je peux plus sortir par là. Je vais quand même te mettre là, juste pour le temps de vider la zone. Non.
Il est gratuit le jeu, non. La question là, quand les gens demandent est-ce qu'il est gratuit, c'est toujours non. Alors, hop. Si le jeu a l'air de pas être gratuit, il est probablement pas gratuit. Hop. Et j'ai presque terminé. Pendant qu'ils me font du bois. Alors, pas ici. Juste 8, c'est pas possible, mais... Tu me fais quoi, toi? T'es bloqué? Ok. Ah non, il a fini. Ok, il a fini, j'ai rien dit. Parfait, donc toi, on va te prendre, on va te remettre. Et du coup, bah, on va finaliser avec ce que je peux. Il n'y avait plus... Non! Je viens de les sortir! Ils vont pas être enregistrés, je crois que je les ai perdus. Non! On re-rentre. Pourquoi enlever la terre? Parce que je veux faire des murs en bois. Ouh, c'est bon, je les ai pas perdus. Parce que je veux faire des murs en bois, j'ai besoin de murs de qualité pour ce que je veux faire. Si j'ai pas de mur de qualité, mon four va pas fonctionner. C'est étrange, mais c'est comme ça. Ok, on verra si ça va suffire. Maintenant, il va falloir faire le toit. Et il va me falloir plus de bois pour le toit. Purée ! Bah, c'est reparti, les gars. C'est reparti, à moins que... Ah oui, j'ai quand même 8. Non. Ouais, bon, on va repasser... pour le prochain live, on va repasser dans l'ancienne version du jeu, les gars. Apparemment, celle-ci a trop de problèmes. C'est la dernière version du développeur, il a dit qu'elle était plus mieux. Mais apparemment, elle n'est pas plus mieux. Elle est moins. Du coup... Ok. Donc maintenant, on va devoir chercher du bois. C'est pas possible. Connais-tu les nouveautés qui vont être faites dans le futur du jeu? Je connais juste que bah, y a des machines qui vont arriver dans le futur proche. Ok, allez, c'est toujours là. Il y a des machines qui vont arriver dans le futur proche après le développeur a fait un Trello là où il liste toutes les futures mises à jour. Mais là, de tête comme ça, je pourrais pas dire. Celle-ci, c'est la dernière ouais, de mise à jour. Alors, hop. C'est même une mise à jour qui n'est pas publique et je commence à comprendre pourquoi. Non, on va pas prendre les autres feuilles. Alors, Bastou, le serveur a pas crashé cette fois-ci. Mais parfois, il crache. Ça dépend des moments. Parfois, le serveur est juste off. Là, effectivement, je me suis juste fait kick. Ok. Pas tous. JBDF, c'est le... oui, c'est moi qui crache, là. Mais c'est pas mon jeu qui crash, c'est le serveur à problème à un certain niveau qui me kick, tout simplement. Et les autres ont également ces problèmes. C'est pas tout le monde en même temps, c'est de temps en temps, il y a un truc qui va claquer et je vais me faire virer du jeu, en fait. Ah.
Du coup, par contre, je suis content, vous êtes patient. Vous râlez pas trop que je me fous. J'en ai plus marre que vous, je pense. Ah, ok, là, c'est le serveur. Là, le serveur, il est offline maintenant, ouais. Là, c'est pas. Pire. C'est pas vrai. Alors, on est à quelle heure? On est à 17h30, bah, tiens, on a fait un peu plus longtemps. On va encore, bah, tiens, je vais prévenir Teko, on va faire une dernière partie. Et hop, restart, voilà. Et on va faire ça, et puis après, bon. Après, on va y aller, peut-être. Quand tu feras du Castle Story, bah, le Castle Story, j'en ai tellement fait sur la chaîne que franchement, je pense que c'est bon, là. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu où on doit survivre et tuer, détruire une météorite. Alors... Ok, donc Bastou va restart. Go Bastou, on compte sur toi. Allez là. Bon, le jeu est cool, hein. C'est un jeu qui est vraiment fun. Le seul problème, c'est l'instabilité du jeu. Les développeurs ont promis, en tout cas, un autre patch de stabilité dans le futur proche. En fait, là, il y a la version 7.2. On a la moitié qui est disponible dans une version bêta. Et l'autre moitié va arriver plus tard. À 6 mars, il me semble. Donc, en attendant, là, j'ai la moitié et... Effectivement, on n'a plus de lag avec, mais on se fait kick et on a des crash serveurs. Du moins, je pense que c'est ça qui fait crash. Je compte pas reprendre Farming Simulator tant qu'il n'y ait pas suffisamment de mise à jour. Alors, toujours pas retourné. Le jeu sera-t-il en français un jour? Je doute fortement. Les développeurs en ont pas parlé, en tout cas pas officiellement. C'est par contre, up and running. C'est bon. D'accord, très bien. Je relance. Ouais, donc le français probablement pas. Merci Bastou au passage. qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà. Donc le serveur va probablement le serveur. Qu'est-ce que je raconte plus là? Je suis complètement brouillé. Le jeu va probablement pas être fait par les développeurs. Par contre, il a fait un topic sur le forum là où les gens peuvent traduire le jeu s'ils veulent. Donc s'il y a des gens qui sont partants, ben, il y aura un mode français éventuellement, mais pas pour le moment. Ou alors, peut-être pour le moment, peut-être que c'est en train d'être fait, j'en sais rien. Du coup... C'est celui-là l'arbre que... Il est où l'arbre que j'ai cassé par là? Je crois que j'ai pété un arbre dans le coin. Ok, non, je suis revenu en arrière, j'ai gardé le bois, mais l'arbre est revenu en vie. Je viens de comprendre, oui, j'avais fait ça. Voilà, j'avais mis là et j'avais grimpé dessus. Ah là là. Ok, bon bah d'accord. Roll back. Bon ok, je vais pas pouvoir y aller. Alors les gars, pas de pub sur le chat. Si vous faites une pub, vous êtes banni directement. Hein. Moi, je fais pas de pub sur vos channels, sur vos chaînes. Donc ayez la décence de ne pas vous servir de ma chaîne comme un panneau publicitaire. S'il vous plaît. Ah, il faut que je mange. J'ai rien du tout, je dois manger une tomate. Ah non, des champis. Ok. Du coup... Non, Madé, ça me dérange pas, si tu quittes le live, tu fais ce que tu veux. Y a pas besoin de ma permission pour quitter. Alors, du coup. Ok, les derniers morceaux de bois.
Ok, pas la place pour là. On va le mettre là-bas. Et on va refaire le dernier aller-retour. Et là, je pense que je devrais avoir assez de bois pour finaliser ma baraque et enfin faire fonctionner le four. C'est qui doit faire les chariots? Ben, un menuisier. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de menuisier qui en font. Donc, je pense pas qu'il y en ait. En tout cas, il n'y a pas de magasin. Bon, on en est où? 10, c'est tout? Ouais, on va en faire 20 autres. Et ah, oh, ça m'a viré! Ça m'a viré mon morceau de toit. Là, ça passe pas trop comme ça. Ou alors à la rigueur. Voilà, faire comme ça. Avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Je préfère toi. Il va me falloir faire de l'échange avec des gens. Oh, je pourrais faire bientôt du verre. Des lampes. Ok, bah ça devient bon. Hein. Je commence à pouvoir faire des bonnes choses une fois que tout ça sera posé. Et si j'arrête les rollbacks, ça serait cool. Par contre, comme vous voyez, hein, c'est pas un jeu qui est rapide côté gameplay. Du coup, bah, j'ai toujours pas assez en fait. Alors, on va réparer mes outils. C'est long la nuit, on peut modifier les cycles. Je crois pas qu'on peut modifier le cycle jour et nuit. Peut-être dans les options, dans les dossiers config quelque part. Pour être franc, je crois pas que c'est possible. Alors, je vais être simple, je vais vous dire tout de suite, si jamais vous me dites « réponse te plaît » ou vous commandez, comme on dit, des interactions, je réponds pas, hein, tout simplement, je suis désolé. Posez la question, si je peux, je vous réponds, mais je ne réponds pas aux demandes comme ça. Alors, bonjour à tous, enfin le retour, et eh bien Bizarre Lolo, effectivement, le retour, merci à toi, d'ailleurs pour avoir sub, hein, t'es un grand fidèle, merci. Pourquoi il y a un point vert au centre, je sais pas. Ça c'est nouveau de cette version, elle était pas là avant. Je sais pas trop ce que ça présente. Le site qui donne les informations des ressources du serveur fonctionne toujours. Bah normalement, si il fonctionne, ouais. Allez. Ouais, effectivement, vous voyez le point vert, c'est... Ça montre la ressource, vous voyez, en fait. Ça montre le centre. Je sais pas à quoi il sert. J'ai aucune idée à quoi il sert, et à mon avis, il sert à rien du tout. Enfin, il est pas utile. Il va falloir aller que j'aille manger. Est-ce que le jeu vaut son prix? Ben ça, c'est vraiment personnel. Ça dépend, quels sont tes revenus, à quel point tu cherches ce type de jeu, est-ce que tu aimes ce type de jeu. C'est... Pour moi, il n'y a pas d'absolu sur est-ce que le jeu vaut son prix.
C'est voilà. Pour moi, oui, il vaut son prix. Après, je peux pas te répondre pour toi. Alors, par contre, où est-ce qu'il est passé, mon arbre, là? J'étais là-haut? Je me rappelle plus. Ah oui. Ah, le soleil se lève, regardez-moi le beau lever. Je crois que j'ai mis mon bois chez lui. Je crois que j'ai mis chez toi des sangles le bois. Zut. Ah, pas grave, bois cadeau. Alors, du coup. Et on a un dernier passage, et je crois que, bon, on aura quand même assez là. J'espère. Comment on a terraformé la planète? C'est le début d'une série 2, c'est le début d'un nouveau sur le serveur. Et là, effectivement, on va essayer d'aller jusqu'au bout si le serveur nous le permet et qu'il crache pas trop. Ok, plus de bois et plus d'énergie. Ah, les champis. Merci les champis. Les points de compétence ne sont pas à chaque jour de jeu. En fait, les points de compétence, alors, elles sont par rapport à une vraie journée. Donc, c'est-à-dire que je gagne là 31 points de compétence chaque jour, 24 heures en vrai. Et je les obtiens pas, je pense, au lever de soleil. Alors ça peut-être, j'ai jamais fait gaffe. Je crois que je les obtiens comme ça pendant que le jeu il défile. Alors après, au vu des crashs, peut-être que le compteur il a reset ou je sais pas trop quoi. Donc voilà. Alors, bah tiens, allez, on finit. Et on va allumer le four. Alors, on va devoir virer toi. On va le faire de dehors, c'est plus simple. Et beaucoup de boulot hein, pour une maison. C'est pas... pas super simple. Enfin, c'est pas Minecraft, quoi. Voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce que là, il considère que c'est fermé malgré le mauvais joint entre certaines ressources? Vous allez voir, par exemple... là. Ok, regardons. Ok, c'est bon. Il y a juste pas de carburant, c'est bon. Je suis content. Ok, alors. On va creuser quand même là. Pour faire une fenêtre. On va mettre nos ressources là-bas. Et est-ce que c'est toujours une maison? C'est toujours une maison. Alors, pour ça, il me faut du bois. Alors, en bois, j'en ai pas là. Donc, toi, on va te dire... Tu vas arrêter. Fini. Arrête d'utiliser mon bois en gros. Et on va prendre toi. Et on va le mettre dans le four et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Allez, go. Ah, bah finalement, j'ai pas besoin. Stockage, bah tu vas prendre celui-là et celui-là. Ce serait pas bon pour le carburant, non? Ok, il faut quand même te mettre là. Et du coup... Alors, la bloomerie, elle me fait quoi? Elle permet de faire une enclume et des lingots. Par contre, est-ce qu'il me faudrait une compétence en particulier pour l'utiliser? C'est quoi? On me demande ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un four. Ah bah c'est dommage, moi et Anolia on fait la même chose en fait. Ah regardez, c'est ça en fait le petit truc bleu là. Enfin vert pardon, bizarre. Dommage on fait la même chose, mais bon j'ai déjà démarré en maçon. Du
Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, regardons dans mes compétences. Oui, scrap mécanique, c'est fini, hein, même plus la peine de demander. J'ai fait assez de vidéos dessus. Oh! Oh là, je suis quoi? Je suis kick ou... Oh, c'est le serveur qui a crash. Bah, on va s'arrêter là, les gars. Hein, on va s'arrêter là, pas besoin d'empirer les choses. Demain, on va tenter de revenir sur la version précédente pour voir si le serveur est compatible. Et on va tenter d'améliorer ça. Alors, je vais juste lancer que je me gourre pas. Voilà. Et je regarde si je peux lancer les crédits. Je crois qu'ils vont passer. Voilà. Les crédits vont passer. On va s'arrêter là. Vraiment merci de votre participation. On a quelques petits problèmes à régler sur le live de demain. Hein. Donc on va revenir en arrière pour éviter les crashs. Si ça fonctionne, tant mieux. Le but vraiment du live est d'arriver au bout de la map. Donc on a 12 jours pour détruire la météorite et on va faire au maximum. Merci à tous ceux qui ont souscrit. Merci à tous ceux qui ont fait des tips. Ça, c'est génial de votre part. Et ben je vous dis ben à bientôt donc les gars. Je reste un petit peu sur le chat pour répondre à vos questions. Bah tiens, je les réponds même de vive voix. Si vous avez des questions, allez-y, j'y réponds. Désolé Denovir d'arriver vu que t'arrives à la fin. Ouh, Hakuna Matata, un dernier petit don pour te soutenir, te remercier pour tes présentations et te souhaiter un excellent week-end. Eh ben, excellent week-end à toi, Hakuna Matata, et merci vraiment pour le soutien de ta part, c'est vraiment génial. C'est quoi la technique pour détruire la météorite? Eh bien, je t'invite, Fabien, à regarder ma dernière vidéo de Echo pour voir cela. C'est quoi la config pour jouer? Eh ben, elle est sur Steam, tu vas sur la page Steam du jeu, c'est là qu'on l'achète de toute façon, et tu as l'information. Ouais, effectivement, comme Maïmedi, on va compter pour le live même de demain. Hein, on refait un live demain, donc on va compter ton type pour le total. Bastou n'est pas venu hurler crash server, non. Je referai pas de vidéo sur scrap mécanique, c'est fini. Dontui, les modérateurs qui sont listés dedans sont ceux qui ont été actifs en tant que modérateurs sur le chat. Teko, lui, il a été dans le jeu et il a été sur le serveur, donc mon logiciel ne l'a pas détecté comme actif. Pourquoi avoir arrêté le live? Parce qu'il y a trop de crash, il faut qu'on règle le problème. Et puis, on est pratiquement à 3 heures là, de live. À quand la suite de Kingdom? Je sais pas, désolé. Avec tous les lives, avec toutes les préparations que j'ai dû faire, j'ai pas pu beaucoup préparer d'autres épisodes. Et Kingdom a un peu sauté pour le moment. Pourquoi je peux pas revenir en arrière? Je pense normalement l'option est activée sur YouTube, Damien. Donc tu devrais pouvoir, je sais pas pourquoi tu peux pas. Et donc voilà, je vais m'arrêter là les gars. Et les filles peut-être. Hein. Et je vous dis à demain, 15h, on se retrouve. Et puis on va à nouveau, j'espère, s'amuser avec un peu un bug. Bye bye.